Salut les amis du web, je vous présente pas en unboxing cette fois-ci parce que le paquet était trop important à déballer. Donc je viens de recevoir, donc en unboxing si vous voulez, une soixantaine de disques de chez Recordsell.de, donc le disquaire allemand bien connu, puisque j'ai déjà fait pas mal d'unboxing. Je vais poser ça parce que ça doit peser plus de au moins une quinzaine de kilos. Voilà, 60 disques. Et alors, je te tiens à remercier, bon, bien sûr, tous les nouveaux abonnés et youtubeurs qui me suivent et laissent des commentaires pertinents et m'encouragent à continuer, surtout, hein. Faut garder le moral. Et donc, oui, je félicite Recordsell.de parce que je leur avais signalé que le paquet était arrivé un petit peu éventré. Là, ils m'ont mis un paquet plus rembourré avec des cales comme ça, des rouleaux adhésifs et puis du bulle, vous voyez. Et là, donc, il n'y a rien qui a été endommagé cette fois-ci, aucune pochette ni rien. Et apparemment, j'ai juste vu sommairement les disques, ils sont dans un état extraordinaire. Alors évidemment, vous allez dire, tiens, ça fait la deuxième partie. En fait, il y aura trois unboxings comme ça d'une soixantaine de vinyles, je pense, de chez Recordsell.de. Il y en a déjà eu un. Alors j'ai mis un mois à digérer les 60 ou 70 disques de cet unboxing. Du premier unboxing, et je m'en excuse, quand je vous l'avais présenté, on m'a reproché de vous faire une présentation sommaire, sans détailler évidemment, parce que j'ai fait une sélection, j'ai écouté au fur et à mesure, mais après j'ai oublié, parce qu'on ne peut pas mémoriser comme ça 70 morceaux de musique, voire plus. Donc après, j'ai tout redécouvert, retrié, resélectionné, j'ai d'ailleurs fait une vidéo d'écoute sur une dizaine de morceaux, et qui a eu un succès mitigé d'ailleurs. Donc après, je vais vous les présenter, parce que je les connais parfaitement, puisque les ayant enregistrés, gravés sur CD, les ayant sélectionnés, ayant nettoyé les vinyles, tout ça. Donc là, je pourrais faire des vidéos beaucoup plus pointues, beaucoup plus performantes sur ces 60 ou 70, voire 80, même groupes New Wave qui étaient inconnus, pratiquement inconnus pour ma part, il y a quelques mois. Alors bon, j'ai continué avec la grille de recherche sur Discogs en mettant New Wave, rock électronique et musique électronique plutôt, New Wave et Synthpop, en combinant les trois. Donc j'ai retrouvé la totalité, la quasi-totalité, 99,99% des groupes New Wave que je connaissais, que j'avais aussi. Et donc là, j'ai pu sélectionner donc l'année 1980, toujours à les années 83, 84, 85. J'ai fini à l'heure actuelle l'année 85, mais il restera un troisième unboxing qui n'est pas achevé. Alors évidemment, les prix, c'est des prix entre 3 et 4 euros. C'est pas la peine de vous montrer les factures. Mais voilà, donc on va vite commencer. Donc un petit 45 tours, m'envoyez ça en prime. Un petit 45 tours de Philippe Japp avec Save Us, petit pitcher disque qui a été vite sold out, hein, qu'on trouve. Je ne sais même pas si on le trouve. Je crois qu'on ne trouve plus rien sur Discogs même ces derniers. Souvent, des fois, quand vous prenez le dernier disque de chez Recordsell, bah, c'était le dernier disque chez Discogs. Alors à 80, je vais pas. Bon, sauf. Je vais vous préciser quand il s'agit de New Wave américaine ou australienne ou d'autres pays peut-être, mais bon, c'est à 90% du Royaume-Uni, d'Angleterre, hein, puisque on peut dire qu'à partir des années 81, 82, 83, 84, 85, la New Wave anglaise déferle sur le monde et influence tout le monde. Alors, Next Planet, Touch of Glass, le groupe Next Planet, qu'est-ce que je dis moi? Je pense à autre chose. Donc, Next Plateau, ça c'est Records. Donc, Touch of Glass 1984, Keep Dancing. Voilà. Bon, toujours New Wave. Hein. Ensuite, Tout d'État. Donc, Too Young for Promises. Voilà. Donc, New Wave, pareil. Donc, enregistré en Angleterre, je crois, 1985, hein, toujours des disques en très bon état. Alors, c'est tout de l'excellent du Near Mint, et même il y avait un disque, ils avaient marqué VG, ou même Good, je sais plus. Je l'ai pris quand même parce qu'il était à 1 euro, je crois, c'était pour dérisoire. Ben, je vous montrerai les Mint. Alors, je sais pas ce qui se passe dans leur classement. Enfin, c'est comme ça. Et vous voyez vraiment l'état des disques, c'est vraiment formidable.
Les disques vraiment qui sont. Bon, ça a nettoyé quand même, mais vous voyez, ils sont quand même en bon état. Voilà, donc on passe ensuite Sin Hayden Party Boy. Voilà. Donc tout ce que j'ai sélectionné est pas mal. Donc ça, c'est un allemand et c'est de 1980. Toujours pareil, on est 1980, 85. Voilà, 1985. Ensuite, ça c'est une production de la deuxième moitié des années 80 qui a réédité deux groupes, donc The Afternoon Delights, je crois que c'est celui-ci, et puis Sly Fox, Let's Go All the Way, et l'autre c'était General Hotel, voilà, donc des disques neufs. Voilà, vous avez ceci. Donc là, je vous fais une présentation sommaire. Après, je ferai une présentation détaillée. Alors là, apparemment, il y a deux disques. Pourtant, c'est Maxi en présentant, mais ils m'en ont envoyé deux pour une somme de 3,50 €. Ce disque, donc, You've Got the Power. Et c'est évidemment le groupe Win. On a toujours la pochette d'origine anglaise. Vous voyez, des disques qui sont neufs. Une pochette neuve aussi. Voilà, et là il y a deux disques. Deux disques, voilà. Bon, ça devait être une promotion à l'époque. Ensuite, un très bon groupe, Hitlist, Into the Fire. Alors, il y a deux versions différentes. Voilà, de toute façon, vu le prix, je m'en suis pas privé. Full version, Total Isolation. Voilà, donc il y a deux éditions, édition anglaise et une édition, je pense, allemande. Oui, Western Germany. Et ça, c'est deux, pareil. Hein. Ça, c'est excellent. Par contre, je vous le conseille vraiment. Donc, Hitlist 85 chez Virgin. Sharp and Nice, Famous People. Si vous connaissez certains groupes, vous me dites, hein, vous corrigez le tir. Moi, je vous dis, c'est à 80% de la New Wave anglaise. Après, quand je vous les représenterai en détail, Famous People, donc chez Polydor 1980. 5 toujours. Jackie Rowe, I Believe in Dream. Voilà, bon, on a des petites choses sur les pochettes, mais enfin, vu les prix. Hein. Faut vraiment pas faire le difficile. Jackie Rowe, I Believe in Dream. Vous voyez, très bon. Puis quand même, ils sont en bon état, moi je trouve. De toute façon, tous les vinyles sont near mint. Il n'y a que les pochettes, des fois, qui peuvent être VG+ ou excellent. Alors, chez là, c'est pas chez l'AI, mais c'est un promotionnel. Donc, c'est pas des versions remixées. Oui, on a deux fois la même version Color Radio de Sheila, donc un port américain. Je pense c'est américain, ça sent le promotionnel américain, même si c'est pas forcément marqué. Enfin, apparemment, mais c'est pas sûr à vérifier. Donc pareil, New Wave, donc Sheila, Color Radio, Wanawanani, Sugar Free, là c'est à promotionnel puisque le sticker est collé directement sur la pochette, donc ce sont des promotionnels américains. Et vous avez le fan club d'ailleurs en Australie, donc américain, je dis, c'est peut-être un pressage australien à New York, non, pressage américain, mais groupe australien. Donc ce gars fouille avec ses pochettes intérieures, pochette à bord arrondi. Vous voyez, la pochette est neuve, hein. Vous avez vraiment des disques. Ils sont dans un état. Souvent, les promos n'ont pas été écoutés. Ça arrive souvent qu'on a des promotionnels neufs. Ensuite, Big Sound Authority, un groupe New Wave connu. Bad Tone, Limited Edition. Voilà, un EP. Voilà, tiens. On pourra le mettre de côté pour le vinyle tag, éventuellement. Donc, un EP. Voilà ce que c'est un EP. En fait, un EP, c'est un maxi 45 tours ou un petit 10 inch ou 7 inch ou 12 inch qui tourne en 45 tours. Et il y a plusieurs types dessus. Bogtown Extended Version de 1900. Bah pareil, ça c'est de 80. Oh, j'ai même pu l'enlever. De 185. Hein. Big Sound Authority avec une nouvelle version de This House Moving Heaven and Earth. Pareil, donc 1985, très bon groupe New Wave. Bon, inutile de vous montrer les disques. Voilà, il est directement. Il n'y a pas de sous-pochette, j'en rajouterai une. Alors ensuite, Redbox, Never Trust Your Soul, pressage anglais de 84, Polo Records, distribué par PRT Records, qui
qui distribue pas mal de petits groupes New Wave. Voilà. Maintenant sur sol avec une pochette antistatique, genou, donc peut-être d'origine. Ringing the Bell Music Academy. Bon, là il n'y avait que ce single chez eux parce que le reste n'était pas terrible, mais bon, pour mettons 2 euros, vous voyez en plus le disque est neuf. Voilà, c'était des disques qui sont pratiquement neufs, donc à ces prix-là, pas mal. Petit morceau gentillet. Des fois ça frise le glam rock, mais bon, ça s'écoute facilement. Donc Ringing the Bell Music Academy avec la pub donc dessus. Ensuite, un très bon groupe américain, Lizard, avec le Maxi. Et on m'avait passé sous le nez, quelqu'un m'avait pris l'album chez Record Cell. Donc il n'était plus disponible parce que bon c'est pareil, donc je mets un mois pour remplir la liste des. Enfin le panier, hein, le panier des 60 vinyles, voire plus. Et alors évidemment, bah, ce qui est catastrophique, je sais pas si vous m'entendez bien, parce que le micro, ah, c'est embêtant là. Oh là là, c'est toujours embêtant. Hein. Ces micros qui. Enfin, j'espère que vous m'entendez bien. C'est pas évident. Donc Rocket to Your Heart, donc un maxi, ça c'est un maxi allemand, mais Rocket to Your Heart, donc groupe américain, une chanteuse américaine qui a sorti un album en 82, ça c'est de 83 je crois. Voilà, donc très bon maxi, et l'album aussi est excellent. Je crois qu'il n'est pas sorti en CD, et ça reprend à peu près la même pochette, et là je vois la pochette est impeccable. Je suis bien content parce que c'est un groupe américain qui est très bon, très bon, très bon. Bon, 400 Blows ou 400 Blows, donc groupe New Wave bien connu, hein, vous devez connaître. Donc Runaway, voilà, Runaway, avec évidemment Illuminated Records de 1985. Ensuite, j'espère quand même que. Être obligé de tout désagrafer. Excusez-moi, j'ai peur que vous m'entendiez mal. L'idéal, c'est quand j'enlève carrément le micro, j'ai le micro du smartphone. Il est bien meilleur que le mini-micro comme ça. Bon, écoutez, on va laisser comme ça pendre. C'est pas très joli, mais ce sera peut-être mieux. Ouais, c'est pas évident. Ce sont les inconvénients du direct. Voilà, apparemment. Excusez-moi pour les parasites. Oui, alors donc, la très jolie pochette aussi, en pressage anglais. Donc, Michael Prince. Alors ça, je me souviens plus si c'est anglais ou américain. Et c'est le morceau Dance Your Love Away, 1980, c'est toujours 1983. Voilà, regardez cette pochette. Vous devrez rééditer des pochettes DJ comme ça. Ce serait sympa. Avec toujours Record Cell, la pub One to One, Angel in My Pocket, Rocket in My Pocket Mix. Voilà, peut-être américain, ça a fouillé, à regarder. Je me souviens plus. Donc chez Arabella Rodisque, à Ariola, pardon. Ariola Arabella Rodisque, ça fusionnait, je crois. 1986, mais le single est 85, One to One, Angel in My Pocket. Voilà aussi très bon pressage, très belle pochette. Le Packing Matters, groupe belge, je vous avais peut-être présenté d'autres singles comme Zileco de 85. Ça, il s'agit de Siberian Fire de 83. Musique électronique, mais très bonne. Très très bonne. La belle belge. Ensuite, Hazeldine Searching, Special Remix. Voilà. 1982, vous vous rendez compte, depuis 82, dans quel état? C'était certainement chez un collectionneur, je vais voir. Oh, puis en plus, vous voyez, ça c'est neuf. Bon, inutile de le sortir. Voilà. On se dépêche. Ensuite, Victim of Pleasure, vous avez montré, je crois que c'est un groupe français, donc, qui s'était appelé VOP. Et celui-ci était marqué Good. Voilà, il m'avait fait peur. Je l'avais pris quand même parce que pour 1 euro et quelques, 1 euro 50, je crois, je m'étais dit, bah, comme il est introuvable ailleurs sur Discogs, quand vous avez éliminé tous, vous êtes obligé d'en prendre, ça vous revient à 40 euros le disque. Moi, je me suis dit, pour 1 ou 2 euros, je l'ai. Et ben en fait, la pochette est mint, near mint, pour moi que c'est neuf. Et le disque avec, hein, pas une rayure, peut-être quelques salissures, mais vous voyez pas de rayures, vous voyez quelques salissures. C'est pour ça qu'ils vont passer sous le gel.
sous la douche, j'allais dire. Donc Victim of Pleasure, un très bon groupe, hein, avec une belle pochette, Slave to Fashion, je crois qu'ils avaient sorti en 81. Ouais, très très bon disque. Et là, celui-ci aussi, pas mal. Alors, là aussi, je connaissais la pochette. Donc Just Me Alone de Twilight. Ça, je connaissais cette pochette. Je me demande si c'était pas de la musique de la Compagnie des Loups, ça. Parce que c'est 85, je me souviens plus. Je me souviens plus. Je me souviens plus. J'ai un trou parce que il y avait un film fantastique dans les années 80 qui était sorti. Je crois que ça s'appelait La Compagnie des Loups. Et bon, je fais peut-être une confusion, et ça me rappelle quelque chose. Donc, Just Me Alone, voilà, bon, très bon. Maxi, donc, de 80, je vous ai dit 85, passage anglais. Donc, Europa, Lula, des fois, on peut avoir de l'italo disco qui se mélange, même si c'était pressé, en Angleterre, avec les titres suivants, Feel Upon a Jewel. Donc, pochette qui m'est pas inconnue. Donc, pressage de 1983, vous vous rendez compte, ça a presque 40 ans, ça. C'est pas en mauvais état du tout. Hein. Il y avait marqué ici 3,99. Est-ce que c'était des marques possibles? Ensuite, ah oui. Alors là, je suis bien content de l'avoir. Parce que je crois qu'ils l'ont plus. Si, ils en ont plus chez Eric Orcel. Simon F, le Maxi I Want Your Back, un de mes meilleurs singles New Wave. Qui figurait dans le top 100, Simon F, I Want You Back, que je connaissais pas. Et je crois que c'était le chanteur d'un groupe connu, William Whitman and Simon F. J'ai un petit trou, mais je crois qu'il était membre d'un groupe connu que je vous rappellerai, puisque je vous ferai d'autres vidéos. Donc là, on voit promotionnel, hein, et l'avantage des promos, le sticker est collé directement sur la pochette et resté. Et quand vous voyez ça, la pochette intérieure Chrysalis, ça veut dire. Ce sont des pressages américains. Donc Simon F, je dis Simon F. Très 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 bon single. Ça, je vous le recommande absolument. Ça vaut vraiment le coup. Hein. Oh, quel... Ah, sur YouTube, qu'est-ce que je peux l'écouter? C'est vraiment for promotion only. Only. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Love Bites Back de Jane Spring. Voilà, le maxi vocal et instrumental Love Bites Back de 85. Donc Jane Spring. Pressage certainement allemand. Hein. On voit maxi 45 tours français ou allemand. Ariola, pareil, chez Ariola. Ensuite, on a Jump In One to One of Them. Ah oui, je me souviens ça. Ils ont sorti un album d'ailleurs, Jumpin', c'est anglais, il me semble. Carrère, hein, mais c'est du Carrère, mais faut pas croire que Carrère n'appréciait que des bides. En fait, c'était souvent des petits groupes et des fois, il y avait des pépites dedans. C'est vrai que c'était pas les choses très en demande hein, qui pressaient. Carrère, donc. Alors, est-ce que c'est Allemagne ou France? Bon, je sais pas. Donc, très bon pressage. C'était un bon morceau, ça aussi. Jumpin'. One of them. Mais ça me dit quelque chose, moi, de toute façon, ce groupe. Ensuite, qu'est-ce qu'on a là? On a Irène Cara, Why Me. Très belle pochette. Voilà. Produce par Giorgio Moroder. Voilà. C'était pas mal. Pour ça, j'avais pris. C'est plus du disco à énergie. Hein, ça, on est un peu pressage, vous avez compris, américain. Donc, Irène Cara, donc américaine. Donc, The David Geffen Company, 1983, je pense que c'est pressage américain, 83, Made in USA, ouais. Ensuite, oh là là, regardez ces poches, elles sont neuves, c'est dingue, en plus, vous vous rendez compte, au bout de 40 ans, c'est toujours dans cet état. Set Your Love in Motion, Foreign Press, voilà. Alors, juste un petit bobo ici, mais enfin, bon, je vous dis, c'est des disques. Je vois les prix ici 2,96, 4,62, 4,46, 3,95, 5,49, 2,72, 2,25. Alors, faut pas trop se plaindre. Hein. Quand vous achetez 2 euros un disque, avec des frais de port quasiment gratuits. Donc, ça, c'est de 1984.
Voilà. On mettra un petit sticker là, un petit truc, un petit machin, et ça se verra pas. Alors, Cifaro. Alors là, bon, j'ai pas voulu la changer parce que je l'avais commandé et mon disque. Alors ça, c'est assez incroyable. C'est un très très bon morceau, Cifaro. Alors, c'est Should I Love You. Voilà. Alors j'ai repris le même. Il valait 4 euros. Bon, moi, je l'aurais pas fait rembourser la dernière fois. Bon, j'ai pas voulu. Je verrai là. Bon, celui que j'ai reçu, alors j'ai recommandé le même, mais celui que j'ai reçu du même label, tout ça, était complètement, la tête faisait comme ça, et était neuf pourtant. Hein. Bon, disque neuf, on va voir si celui-ci a été écouté. Bon, le disque est neuf aussi, alors est-ce que c'est un défaut de pressage de toute la série? On verra. Sinon, à ce moment-là, je me ferai rembourser les 2 fois 5 euros. On voit que ce sont des cut-out, et je vous ai expliqué, donc soit des promotionnels, ou soit des déstockages de fin de série. Voilà, Cifaro, très bon chanteur. Donc 1980, ça c'est 83. On verra s'il passe celui-ci, j'aimerais bien. Ensuite, on a Expandis, Mystic Man, ouais. Bon, je crois qu'ils avaient fait un album, mais bon, c'est un peu le look à la Corgis, à la Bugle, à la Thomas Dolby, voilà, à la New Music, tout ça. Mystic Man, voilà, c'était pas mal ça, pas mal. Ouais, donc chez The Rocket Record Company. Alors je me demande, c'est pas pressage et anglais, mais je me demande, c'est pas un groupe américain. Voilà, peut y avoir groupe américain peut-être à voir, à vérifier. Donc The Expendies. Ah, évidemment, je l'ai eu. Alors là, il était marqué mauvais état. Voyez. Incroyable, c'était marqué VG+, et en fait ça faisait des années que je cherchais avec cette pochette, parce que j'avais toujours la pochette DJ ou noire, et là je voulais avoir la version originale, et là apparemment je vais voir s'il est tout rayé, parce que non, il est en bon état, chez Mute allemand, Allemagne, ben, c'est incroyable, il est marqué VG, il était vraiment marqué pas bon état, hein. Pas bon état. Alors celui-ci a peut-être fait un petit peu plus cher, 6-7 euros. Enfin, je vous dis ça, mais j'arrive même pas à vous sortir la pochette. Voilà, on va le remettre dedans quand même. Ouais, ça avait été mis directement dans la pochette cartonnée, donc chez Mute. Oh l'amour, évidemment, Erasure, inutile de le connaître. Qui ne connaît pas, va lever le doigt. Voilà. Ensuite, Super Zone Single, ça c'est. Alors, Thin Red Line, Only Dreaming of You. Ah, avec un joli splatter comme le faisaient les Allemands en 1985. Erasure, c'est 85 aussi. Hein. 85-86. Donc là, c'était. Ah oui. Thin Red Line. Donc ça, c'est un EP. Vous avez plusieurs versions dessus. Vous avez 4 morceaux. Regardez ça. C'est très joli. Donc, très joli disque. Et il les mettait. Ça, ce sont les pochettes intérieures d'origine allemande. Hein, parce que j'en avais acheté. Moi, je me souviens en 1983. J'étais très jeune, j'étais allé en Allemagne, et en Allemagne, ils n'étaient pas chers, j'avais acheté tout un paquet, et c'était des pochettes exactement comme ça. Donc leurs pochettes étaient comme ça, donc ce n'est pas des pochettes qui ont été changées par la suite. Charlie Sexton, Bass to Lonely Remix Version. Voilà, peut-être américain ça. Ouais, c'est ça. C'est ça, californien. Il me semble que c'est un groupe californien. Mais bon, tout ça, je vérifierai, j'ai dû l'oublier. Pas trop le temps. MCR Records de 86, hein. Très joli macaron. Hop, ensuite Trev Drummers Drumming, donc très bon maxi. Je vous avais montré. Oh là là, il faut que moi, c'est quand l'air me revient. Alors, je me souviens, j'avais enregistré sur la cassette avec New Moon on Monday de Duran Duran. J'avais mis du Fiat Lux, j'avais mis du voilà. Donc, c'était bon, je me souviens. 12 Drummers Drumming, donc ça c'est leur deuxième Lonely Money to Burn. We've got the first one, ou you've got the first one, voilà, c'était leur maxi le plus connu. Lonely Money, Money to Burn, donc très bon à écouter. Je l'avais laissé passer à l'époque, bon, je n'avais pas tout acheté, j'avais pas les moyens aussi. Hein, à l'époque, Innocence in Danger, alors là ils m'ont mis carrément une pochette sous pochette neuve, d'où peut-être la pochette ici qui était d'origine. Voilà, d'où cette pochette, je pense, qui devait aller avec ce, parce qu'Epic était souvent distribué
soit avec, si c'est un promotionnel, donc Innocence in Danger, Who Do You Think You Are, Extended Version, donc 1980, pareil, hein, 84. Donc, c'est pas un promotionnel. Ça a l'air d'être américain, ça. D'être américain. Special version from the Peak EP. Non, c'est pas promotionnel, mais je pense pas que la pochette soit d'origine, c'est plutôt celle-ci. Voilà, celle-ci qui était un peu abîmée, donc il l'avait rajoutée. Voilà. Alors, oups. Ensuite, on a bientôt fini. My Obsession, Mary D. Achal. Là aussi, souvent ils ont sorti des albums aussi. Hein. Donc 85, Californie, américain. Voilà, ça sent la pochette américaine de l'époque, New Wave. Voilà, avec My Obsession. Voyez, et puis alors, message américain avec ces pochettes. Si vous voulez remplacer, alors attendez, je vais essayer de me déplacer. Avec le micro, ça va pas être facile. Parce que essayez, si vous voulez remplacer les pochettes abîmées américaines, essayez de vous trouver sur Amazon des paquets comme ça, pas cher du tout. Vous en achetez par 50, des pochettes à coin rond, et vous les remplacez. Comme c'est davantage authentique. Voilà. Donc chez WEA. Ensuite, Jimmy The. Alors, Tantalize, Jimmy, alors The Honey. Oui, ça c'est américain aussi. Hein. Oui, New York. Peut-être la New Wave américaine, là aussi. Oui. Et puis alors, superbe. Superbe macaron colombien. Bah, par exemple, celui-ci, import américain. Vous voyez, très belle pochette. Il n'y a pas de pochette intérieure. Hein. Là, ils l'ont mis directement. Et ben, je vais aller dans mon stock de pochettes comme ça, à coin arrondi. Et voilà. Et ni vu ni connu. Jimmy The Over, Tantalize, 1983. Ah, il y en a eu, hein, des singles. Il y en a eu, il y en a eu. Ça a été prolifique. Et tout ça, c'est excellent. Je vous dis, j'ai eu deux déceptions sur 70 disques. The Fabulous Pop Tarts. Alors, 4,99 $. New York City Beat. Donc, ça, c'est aussi américain. Un port américain de 1900. Alors là, 85. On a de la chance. Et il est encore scellé. Encore scellé, pas cher du tout. Pas très en demande. Donc. Puisque c'est un maxi We Are All Pop Stars. Ouais, enfin, je ne sais pas si c'est à prendre au pied de la lettre, mais en très belle pochette aussi. Ah oui, ça c'était pas mal aussi. The Group, ça c'est connu, ça aussi. Entering the Arena. Ah oui, très 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 bon. Ça c'est un peu. C'est du metal New Wave, je dirais. C'est un peu du punk finalement, New Wave, je dirais. Voilà, avec une force au début. Électronique avec de la guitare, enfin c'est vraiment, je l'ai écouté sur YouTube, vraiment c'est un excellent excellent groupe, et là je crois que c'était leur dernier, hein. Souvent c'était les derniers maxi qu'ils avaient, hein. Et après allez sur Discogs, vous verrez pour l'avoir celui-là, hein. Faut sortir avec les frais de port, vous vont payer mettons 10 ou 15 euros, 20 euros, et avec les frais de port, vous en ramassez pour 30 ou 40, bon. Et puis très belle pochette, hein. Oh là là. The Croups. Donc chez ces pressages anglais, hein. Donc chez Static Records, ça c'était un bon pressage. Entering the Arena en face B, et là on a Entering the Arena aussi. Je cherche l'année 85. Voilà, c'était ma recherche 85, ça mon maxi. Bon après je vous ferai écouter, hein, parce que ça vous dit rien tout ça, je suis sûr, ça vous dit rien, absolument rien. Là il y a un numéro de référence, Owen Paul. Please to meet you. Bah, là, il est neuf, ce truc. Ouais, là, c'est un promo, puisqu'on a. Voilà, une petite étiquette, là. Pressage allemand. Owen Paul. Oh, ça vaut le coup. Ouais, c'est neuf, ça. C'est neuf. Please to meet you. Sony. Donc, chez Epic 86. Oh, là, je pense que je vais avoir un. Peut-être un. Ouais, c'est quand même incroyable. Mon portable maintenant me. Ah, c'est dingue. Je ne sais pas si ça va s'afficher sur la vidéo. Mon portable me met les titres automatiquement. Ça fait plusieurs fois là. Bon, ça ne se refait pas. C'est marrant. Il y a Owen Paul, Please to meet you. Ça s'est affiché sur le côté. Ah, c'est sympa. Hein. Ouais, on n'arrête pas le progrès. Hein. Alors, ah oui, alors celui-ci était assez marrant. Je l'ai pris, pressage anglais. Bon, pareil, hein, pochette
déclassé chez eux. Mais je l'avais pris quand même parce que pour le trouver, ce n'était pas évident. Swiss Navi, vous voyez, c'est tout à fait des séries B, mais c'est pas mal. C'est pas mal. Back to the Wall. Marine Mix, enfin, ils se foutaient un petit peu des Suisses, hein, parce que la Swiss Navi, peut-être qu'ils ont des colonies, les Suisses, je ne sais pas. Enfin, ils avaient Back to the Wall. Je crois qu'ils étaient restés en Suisse. Hein. Voilà, faire du chocolat, des montres et engranger l'argent du monde. Alors, Back to the Wall, parce que c'est ça qui leur rapporte. Hein, c'est comme Dubaï, hein, c'est pas le gaz ni le pétrole qui rapporte à Dubaï, c'est tout l'argent qu'il y a là-bas. Swiss Navy, donc Back to the Wall, donc assez marrant, mais pas mal, hein, pas mal, la bonne New Wave. Voilà. New Wave, mais pas suisse. Anglaise. Alors, One to One, alors la pochette est un petit peu. Oh, non, mais c'est acceptable quand même. Where was the time? Là, Swiss Navy, c'était de. Bah, toujours pareil. Hein. C'était 83. Hein. Et là, on est en 80, donc pressage allemand. There was a time, there's the answer. Donc, voilà. Donc, très belle pochette. Bon, j'ai bientôt fini ça. Ariola, donc 1985. Donc, One to One. Voilà, je crois que je vous en ai déjà présenté un tout à l'heure. Donc, c'est le deuxième One to One. Alors, je ne sais pas s'ils sont anglais ou américains. Je ne me souviens plus. Donc, Labyrinthe featuring Julie Loco, Help Me Out, vous devez connaître, ça doit être à cheval sur le disco, la New Wave, ça. Voilà, ouais, il y a pas mal de versions, donc pressage américain, inutile de le dire, dès qu'on voit la pochette de 1985. Là, c'est ça aussi, ce sont des pochettes anglaises, je crois anglaises. Bon, non. Pochette anglaise, mais reprise par l'Allemagne. Parce qu'en Allemagne, ils évidaient pas le centre de la pochette, ils ne faisaient pas des pochettes DJ. Et on a d'ailleurs un très beau disque vert dedans, à l'intérieur. Et c'est Lamborghini Records, Boys de Do It, m'ont connu, un groupe qui m'était connu. Hein. Suzanne, alors ça c'est le nom du groupe, Suzanne Gigli. Alors je ne sais pas si c'est la chanteuse Suzanne Gigli et Boys Do It, ça doit être le nom. Oui, c'est ça, le nom de la chanson. Je m'excuse. Donc Boys Do It et Heartbeat, et c'est Suzanne Gigli, parce que Boys Do It, c'est le nom également d'un groupe. Voilà, à ne pas confondre avec ce groupe. Voilà. Donc Suzanne Gigli, Boys Do It. Voilà. Donc pochette allemande. Donc assez sympathique. Le groupe américain The Pool. Donc très très bon disque que je connaissais. Voilà. Très bon disque américain, The Pool, avec Where Did We Go Wrong, musique électronique, chez Enigma 1984, Enigma Records USA, avec un joli, toujours soit pochette au bord rond ou soit pochette distaque. The Decorators, j'aime bien toujours ces noms de série B. C'est ça qui me passionne, c'est de découvrir parmi des groupes, il n'y a pas beaucoup de singles qu'ils ont sortis ou c'est leur meilleur. Et bon, des fois, rien que le nom The Decorators, on se dit, mon Dieu, quelle est la série B qui nous présente? Mais c'est pas mal. Donc là, c'est un EP, il y a quand même 6 titres, même un mini-album chez Red. Et ça sent un peu le. Je me demande, c'est pas américain, ça. The Decorators, Black Sun Music, 83. C'est possible que ce soit américain, ça. Parce que les Anglais, il y aurait marqué Made in England là, les Allemands, c'est pas ça. Et il n'y a plus du tout. Hein. À voir. Donc, très belle pochette en tous les cas. Merci. Hein. Au moins, ça vaut le coup pour la pochette. Ah oui, Missiles, We Don't Want to Die. Edwin Starr. Edwin Starr. Alors, parfois, vous avez des chanteurs antérieurs à la New Wave qui faisaient du pop-rock ou même du jazz et après qui se sont mis à la New Wave parce que tout le monde. Après la déferlante, tout le monde s'y était mis. Alors c'est pour ça que moi je place tout en New Wave, mais en fait on me fait des reproches, mais non, vous n'y connaissez rien, il y a des groupes qui sont antérieurs, qui ne sont pas New Wave, etc. etc. Bon, écoutez, moi le morceau que j'ai écouté ressemble à de la New Wave. Bon, après, Hippodrome Records 85, donc Missiles et le titre, donc très belle pochette aussi. À se sortir le disque, directement dans la pochette depuis 40 ans. Ah ben, regardez, on ne croirait pas. Donc 85, depuis 35 ans, 36 ans. Ah oui, ça très 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 bon. Très bon titre. I know that mood, shooting party. Voilà, tout à fait le look new wave. I know that mood, Royal Box Version, produit par une sélection Jacques Moradi, Henri Bellolo. Donc ça, c'est distribution exclusive CBS, après ça, je français.
et peut-être allemand, produit par Stuart Morsch Kerrison. Je sais pas. Il me semble que c'est plutôt anglais ou américain, ça. Black Scorpio, donc Shooting Party, et on a Shooting Party. Voilà. Voilà, Shooting Party Black Scorpio Records, parce que ça me semble que c'est pas un label italien aussi, Black Scorpio. Filiale CBS, ça. Ou alors sous licence CBS, Black Scorpio, de 1986. Hein. Ça me dit quelque chose, moi je l'ai vu en Italie, ça. Voilà. Donc des fois, on peut avoir des Italo Disco qui se mettent dedans. Là, on a eu des EJ Daily. Très joli. Love in the Shadows. Très jolie pochette un petit peu annotée, mais qui a l'air quand même en bon état. L'essentiel, c'est le disque, hein, parce que ça, trouvé en CD, oui. Oh là là, mon Dieu, tout neuf. Ah, incroyable. Bon, il a été annoté, je vous dis, des fois les radios, tout ça, alors écoutez, puis ça marchait pas. Ah ben ça, Wawani, hein, toujours pareil, Extended Mix, ça je vous l'ai présenté déjà. Alors ça, je pense que c'est un groupe américain, c'est CBS, tout ça, Stimulation, Extended Mix Version. Ça sent soit l'australien, maintenant je commence à avoir le nez, ça sent soit l'australien, soit l'américain, ça fait plus look australien, vous voyez? Quand on voit ça, ça sent plus l'Australie, Ray Life and Company. Chez Virgin, non, CBS, oui, CBS, Stimulation, ouais, très joli, puis alors vous vous rendez compte. Oh, je comprends pas, ils doivent les acheter à 1,50 euros ces disques, pour les vendre à ces prix-là. Oh non, c'est un crime. Hein. Enfin, j'en profite, profitez-en, parce que ça va peut-être pas durer. Et le dernier, donc Steve Taylor, I Want to Be Alone. Bon, c'est toujours pareil, des gens qui n'ont pas forcément fait que de la New Wave. Et là, apparemment, c'est un album. Ben voilà. Il y avait un album qui s'était glissé dans le lot. J'avais dû commencer ma nouvelle sélection. Mini LP. Bon. Je suis pardonné. C'est un mini LP. Donc, il n'y a pas eu d'album. C'est un mini LP. Donc, à distinguer, l'EP, petit 45 tours, 4 titres souvent. Ou 10 inches, format 10 inches, 4 titres. Ou alors un EP, moins de 6 morceaux, qui tourne en 45 tours, maxi 45 tours, où il y a 5 morceaux. Donc là, 4 morceaux, 4-5 morceaux, ça peut être considéré comme un EP. Par contre, un mini-album qui tourne en 33 tours à 6 morceaux, ce n'est plus un EP. Voilà pour la petite histoire, puisqu'il y avait certains qui étaient perdus. Ben voilà, donc 37 minutes, ben j'ai fait fort, hein, parce que je vais vous montrer quand même, il y en a pas mal. Hein. Il y en a pas mal là-dessus. Voilà, ça fait un gros tas. Voilà, ben écoutez, je suis content. Je ne sais pas si j'aurai le temps de. Parce que j'ai été plus ou moins tagué par deux YouTubeurs qui m'ont dit pourquoi tu t'y mets pas. J'ai pas été nommé en vidéo, mais bon, on m'a désigné. Mais bon, il faut que ça mûrisse un petit peu dans l'esprit parce que bon, présenter un coffret, quel coffret, présenter le meilleur disque, quel disque. Voilà, il faut quand même. Et puis vous faire découvrir certaines choses et puis s'axer aussi sur ce qui est français parce qu'on a de bons disques français qui sont pas très connus et qui ont des pochettes magnifiques. C'est des disques que j'ai écoutés des centaines de fois, des milliers de fois peut-être. Peut-être, c'est possible, hein, puisque déjà. Ça m'arrivait d'écouter un disque une centaine de fois les 15 premiers jours. Donc, vous imaginez au fil des années. Et on ne s'en lasse pas souvent, ce qui est excellent, on ne s'en lasse jamais. Et on y revient, surtout quand ça n'a pas été édité en CD. On a tendance à le. Moi, je les grave sur CD, je les écoute. Voilà, donc pour vous dire, il y a eu pas mal de choses françaises. Et je vais m'axer un petit peu pour réhabiliter, parce que je fais souvent des vidéos sur la musique étrangère, internationale. Là, je vais un petit peu réhabiliter, je vais faire au moins du 50-50. Voilà, j'ai quelques idées. Voilà, il faut que j'ai le temps de tout faire. Voilà, parce qu'avec le pseudo confinement, couvre-feu, on ne sait plus si on est en couvre-feu ou en confinement. Avec couvre-feu, où on est. Non, non, on est en couvre-feu, qui est en fait un confinement. À 18h, mais sans confinement. Voilà. Mais quand même, on ferme les magasins, comme en confinement. Voilà. Donc après, quand on va passer en confinement, on va maintenir le couvre-feu, ou les magasins resteront ouverts, les grandes surfaces, après 18h jusqu'à 20h. Enfin, je ne sais pas. Enfin, bref, on est complètement paumé. Le mieux, c'est de rester chez soi et de regarder la chaîne de Rock Moderne et toutes les chaînes des youtubeurs, des au moins une cinquantaine de youtubeurs qui se sont mis au vinyle. Peut-être pas une cinquantaine, une trentaine. Vous pouvez les voir sous ma chaîne, enfin sous mes vidéos, vous avez toutes mes chaînes favoris et vous avez à peu près 25, à peu près 25, ouais, ah oui,
peu près 25-30 chaînes que j'ai sélectionnées de youtubeurs français qui font, comme Monsieur Vinyl, par exemple, hein, puisque c'est lui qui a été le promoteur de tout ça, l'initiateur de tout ça, de tout ce mouvement. Donc, faut rendre à César ce qui est à César. Donc, voilà, je regarde quand même. Il faut rendre à César ce qui est à César, je disais. Donc, c'est lui qui a été le promoteur de tout ça. Et donc, vous voyez en dessous de mes vidéos, vous avez toutes les chaînes et vous pouvez cliquer sur les liens. Ça marche parfaitement et c'est assez sympa parce que quand même, il y a pas mal d'informations, pas mal de choses que j'apprends. Et c'est vraiment de bonnes chaînes, elles sont toutes complémentaires en fait. Faut un peu les écouter toutes. Bon, des fois, il y a des vidéos qui ne passionnent pas parce que chacun aime ce qu'il aime. Hein. Si on vous passe du rock français qui vous accrochez pas, ou plutôt des figurines ou des DVD, ou des... Voilà, ça dépend, mais il y a une foule d'informations quand même à glaner là-dedans. Voilà tout ce que je pouvais vous dire. Bah, écoutez, continuez de vous abonner. On a déjà 930 abonnés. Bon, on va peut-être arriver aux 1000 hein, avant l'année prochaine, j'espère. Avant le prochain confinement. Reconfinement, pardon. Et voilà. Et puis aussi, regardez les vidéos, justement, à cause du couvre-feu. Bah, vous en profitez. Hein. C'est pour ça que c'est sympa. Là, il faut faire des vidéos. Là, faut en faire. Hein. Pendant le couvre-feu, il faut occuper les gens. Et c'est assez intéressant. Bon, il me reste à décrasser tout ça. À raison de 14 vinyles à la fois, donc 24 heures pour une face, 24 heures pour deux faces, donc en 48 heures, j'ai 14 vinyles opérationnels, prêts à enregistrer, à écouter, et ainsi de suite, donc 14 divisé par 60, ça va faire une dizaine, donc 5 séries de 14 à peu près, 4-5 séries de 12-14 vinyles à nettoyer, ben ça devrait aller assez vite. Bon, après, il faut que je puisse vous passer des extraits musicaux. C'est pas évident pour la prise de son. J'essaye de voir si on ne peut pas transférer directement le son numérique sur la vidéo en même temps. Mais j'arrive pas là. Voilà, si vous avez des idées, si vous savez comment on peut directement transférer du PC la musique que j'ai gravée sur CD que j'ai installée sur PC et directement la passer au moment où on enregistre la vidéo. Sur le smartphone, directement alimenter le smartphone, connecter le smartphone pour avoir l'audio qui se connecte. J'ai essayé toutes les connexions possibles, apparemment ça ne marche pas. Donc il faudrait que je fasse un montage en fait. Voilà. Parce que autrement le son n'est pas très bon, mais ça m'aide aussi à pouvoir passer des morceaux plus longs sans être censuré parce que moins la prise de son est bonne, moins il vous repère. Voilà. Moi je suis bavard, hein, tout ça, je suis bien content. Là vraiment c'est une. Vu les prix, c'est incroyable, incroyable, incroyable. 2,72, 3,54, 3,46, 3,70, 3,95, 5,49, 4,46, 3,95, 4,62, 4,45, 2,96, 9,85 celui-là, le Lisa. Mais le Lisa, c'était... Vous voyez, Lisa, vous avez pu voir, le média hein, est à 9, il est passé en VG simple. Incroyable, incroyable. Blo, 4,45, etc. Là, on passe à la page suivante, 4,45, 6,27, 1,64. Le Victim of Pleasure, alors lui carrément, il avait marqué G. Je vous l'ai montré, là, le incroyable, vous voyez là, incroyable. Donc G, c'est-à-dire qu'il y avait même un panneau qui s'affichait. Attention, vous achetez n'importe quoi, faites gaffe. J'ai dit tant pis, à 74, je saurai ce que c'est au moins. Il est mint, la pochette aussi. Bon, ils ont tellement de disques aussi que, bon, etc., etc. 3,96, 3,95, 3,24, 3,95, 6,12, 4,9, 4,45, 5,43, 5,49, 4,45, 3,95, 2,96, 2,48, etc. On en finit. 2,72, 4,45, 3,95, 4,15, 5,3, 3,95, 4,46, 6,34, 4,75, 6,91, 5,20, 3,95, 5,54, 4,85, 2,96, 9,45, le Steve Taylor, 3,95, il y a certains quand même qui sont, je crois que j'en ai sauté un là au début, qui était un petit peu plus cher aussi, 15,8 aussi, c'était Michael Prince, 15 euros celui-là, parce que les imports américains sont un peu plus recherchés, bon des fois. Alors vous avez quelques exceptions. Voilà, donc vous en êtes compte 44 minutes. J'espère que vous avez coupé. Vous n'êtes pas complètement saturé. N'hésitez pas. Mais enfin, c'était un unboxing. Voilà. Mais je n'ai pas battu mon record de mon voyage en Angleterre de 1982 où j'avais ramené 80 disques, 80 maxi. Mais à l'époque, ils étaient à 2 livres, à 2 euros le disque, même si l'euro a plus de valeur.
Bon, 10 disques, 20 euros, 100 disques, voilà, 150 euros, vous aviez pour l'époque, vous aviez 80 disques. Voilà, et neuf là. Mais pour eux, c'était, ils vendaient ça comme, c'était des disques directement dans la pochette, il y en avait des piles comme ça, c'était à 1,44, 1,45, 1,045. Qu'est-ce que je dis, 2 livres? Mais non, pas. Oui, 2 ans. Même pas, c'était un livre maximum, 1,90 livres, et c'était 1,40. Même des fois, vous aviez deux pour un livre, 1 livre et quelques. Ouais, non, 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 c'était aux alentours d'1,50 € le disque. Hein. Donc, vous voyez un petit peu, quoi, c'était fou. Évidemment, il faut indexer, mais quand même, ça fait, mettons, 3 euros de maintenant, mais c'était des disques neufs et des imports qui, en France, valaient entre 5 et 10 euros, voilà, selon que vous étiez à Neurose de la Fnac ou Champdisk. Voilà, donc bah, mon record n'a pas été battu là, mais je suis bien content d'avoir tout ça tant que ils ont encore des stocks et qu'il est liquide. Voilà, il y aura certainement un troisième unboxing, mais là ce sera surtout, il y aura des maxis, mais surtout les albums. Et voilà, à bientôt, je suis trop bavard, vous vous rendez compte, 45 minutes, c'est trop, c'est trop, c'est trop. Et n'hésitez pas à vous abonner à l'académie, la vidéo, à laisser vos commentaires. Et puis bon, si vous me faites des reproches, bon, soyez indulgents. Il va falloir un mois pour que je digère tout ça. Hein. Voilà. Allez, salut, à bientôt.